un sentiment, la déception, hein, la déception. On a le bonheur de mener 2-0 à la mi-temps à la maison. Depuis le début de saison, on n'a pas eu l'occasion de mener 2-0. Et voilà, on laisse filer le match. Après, il y a eu un coup du sort, il y a eu le carton rouge de Jérém. Mais bon, il va falloir s'accrocher, hein, Mais c'est vrai, vous meniez 2-0 quand même, Yacine. Comment expliquer que vous soyez écroulé comme ça? Je sais pas. Mais... On a arrêté de jouer à un moment donné. Puis il y a aussi... Amiens aussi a bien joué, à la reprise a bien pressé haut. Et après voilà, il y a aussi le carton rouge qui fait qu'aussi une main en dedans à une période où on n'était pas bien. Quoi. Se faire rejoindre au score. L'expulsion, elle fait mal parce qu'après on subit. Ils ont fait rentrer deux joueurs, notamment leur attaquant. Après ils jouent que des jeux longs. On reculait. Je pense qu'on s'est fait avoir là-dessus. Voilà. Raconte-nous ton premier but là. C'est Romain qui tire un coup franc, qui me dépose là-bas au premier poteau. Donc voilà, je la dévie et puis sur le fond. Ouais, il y a eu du bon quand même. On a fait une super première mi-temps. On rentre au vestiaire avec deux buts d'avance. Ça ne nous est jamais arrivé cette saison. On sait qu'un match c'est 90 minutes. On a eu la preuve ce soir. Donc il y a encore des choses à bosser. Voilà. Ça reste en travers de la gorge. Prochain rendez-vous Luçon. Là, c'est sûr que ça va être une semaine chargée parce qu'il y a deux matchs. Là, il va falloir absolument aller chercher des points là-haut sur les deux matchs à Luçon et à Orange. Là, ça va être capital pour la fin de saison. C'est un peu la poisse de la lanterne rouge ce soir. C'est sûr, quand on est dernier, on a du mal à sortir la tête de l'eau. Voilà, on ne se voile pas la face, on est dernier. On a du mal à gagner. Vous méritiez mieux que ça quand même. Hein. Vu notre première mi-temps, bien sûr qu'on mérite mieux. Après, voilà, il y a encore des faits de jeu. Comme je dis, l'expulsion, voilà, ça nous fait un peu de mal. Donc c'est sûr qu'on a un peu la poisse du dernier. Quoi. On n'a pas vu la différence entre le 10e du championnat et le dernier finalement ce soir, sauf dans le réalisme. Mais c'est pas la première fois que ça arrive au championnat. Voilà, après, on va essayer encore de bosser et puis d'aller chercher quelque chose à l'extérieur. Bon, est-ce que c'est fini là pour le maintien là, parce qu'il n'y a plus de... Non, c'est pas fini. C'est pas fini encore. Hein. Il y a encore des matchs à jouer, il y a encore beaucoup de points à avoir. Il faut y croire jusqu'au bout tant que c'est pas terminé mathématiquement. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit qu'il faut finir le plus proche des premiers relégables pour espérer un repêchage administratif? Non, ou tout simplement être parmi les non-relégables. Voilà, il faut toujours y croire tant qu'il y a de l'espoir. Voilà. Il y a un sacré enchaînement de matchs qui arrive avec les matchs en retard, ouais. C'est ça, il y aura un déplacement à Branche. Voilà, on a travaillé physiquement de toute manière pour être prêt pour ces matchs-là. On va essayer de faire le maximum et essayer de ramener les victoires à chaque fois. Et pour conclure, il ne faudra pas se louper pour l'accueil de Colomiers, c'est ça qui est en difficulté. Colomiers et Bastia qui sont en difficulté comme nous.